Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, le poteau, on avait fait du coup une vidéo où on montrait les 40 boss Fortnite. Or là, il y en a maintenant 41, oui, parce que du coup, le boss Snowmando est arrivé du coup sur Fortnite. Donc ça fait un petit moment qu'il est là. Or, personne ne l'a capté, il est venu lors d'une mise à jour et vraiment, personne n'en a parlé. D'accord? Donc les potos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et du coup, on va directement vous montrer les 7 emplacements où pouvoir trouver du coup le Snowmando. Et du coup, vous allez voir qu'il a une arme un petit peu spéciale aussi entre les mains. Voilà, aussi les gars, j'avais totalement oublié, d'ailleurs je disparais à ce moment-là. N'hésitez pas à mettre le code créateur Bokuni dans la boutique, cela nous aiderait aussi énormément. Voilà, let's go, on se retrouve directement en jeu. Et voilà, on est en jeu les potos. Du coup, pour le trouver, vous allez voir, c'est ultra simple. Vous allez du coup sur la map et il y a tout un côté enneigé. Et oui, du coup, l'apparition de Snowmando a un petit peu glacé l'entièreté de la map. Donc voilà, petit à petit, je pense que ça va être recouvert de neige pour montrer un petit peu donc l'hiver et donc arriver dans le nouveau mode de jeu qu'on aura plus tard sur Fortnite. Donc, sachez-le, pour le trouver, on le voit ici même, c'est très facile, regardez, hop, je place mon point, donc c'est juste en dessous de Cathy Corner, et vous allez voir, il y a juste un tout petit morceau qui n'est pas pris dans la glace, et du coup, c'est l'emplacement de Snowmando. On va aller le voir directement, et je vais vous montrer du coup les dialogues qu'il a, ainsi que l'arme qu'on peut obtenir grâce à lui. Et voilà, du coup, on s'approche petit à petit de l'endroit. Donc, comme vous pouvez voir, la seule étendue d'herbe qu'il y a, et bah écoutez, le boss est juste à côté. On le voit d'ores et déjà, on voit la petite bulle qui vient d'apparaître. Et du coup, les gars, je vais vous remontrer encore une fois sur la map où que c'est exactement. Donc voilà, on peut voir Cathy Corner, on peut voir du coup le boss qui est juste ici, qui est en train de se déplacer petit à petit. Et du coup, on est vraiment dans la seule étendue d'herbe qu'il y a à côté de Cathy Corner. Donc voilà, on va montrer du coup, on a Snowmando, donc on s'appelle le Neigeonnaire. Voilà, le Neigeonnaire du coup, tout simplement les gars. Donc comme on peut voir aussi, on a un petit coffre ici. Et normalement, il y a un petit coffre qui arrive juste à côté quand vous faites ça, d'accord? Donc attention, le Neigeonnaire, on va du coup lui parler et on va débloquer du coup l'emplacement numéro 41 des boss. Donc comme on peut voir dans la collection, vous allez voir du coup il y a un boss ici, le numéro 41. Donc il est inconnu au bataillon, donc personne ne sait ce qu'il est ni où il est. Et bah tout simplement les gars, on va lui parler et du coup on va débloquer l'emplacement numéro 41. Donc vas-y. Oh oh oh, bonjour, donc voilà, numéro 41, Neigeonnaire. Entrée terminée, numéro 1 sur 1. Et du coup voilà, on peut voir qu'il a l'arme, le glacificateur. Donc une arme exotique. Et pour le moment son prix est à 1500 de gold. Et sachez qu'il n'y en a qu'une seule par game. Donc voilà les potos, vous pouvez le débloquer. Et encore une fois là, je vous montre du coup ici, voilà, le Neigeonnaire. Ce soldat n'a pas froid aux yeux, se trouve près de, voilà, les fêtes, et pour le moment il n'y a qu'un seul endroit et vous pouvez le trouver uniquement ici. Petite astuce pour ceux qui veulent troller un petit peu aussi en défilé de mode, etc. Si vous prenez le skin mystique et que vous le tuez, vous pourrez du coup obtenir son skin en avant-première. Donc voilà les potos, si vous voulez obtenir le skin gratuitement, et ben vous avez juste à le tuer et du coup avoir une mystique pour pouvoir voler son skin et son apparence. Voilà, du coup les potos, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et du coup les potos, voilà, j'espère que je vous ai vraiment aidé au mieux possible. Sur ce, let's go, c'était Ekar.